Oh, il neige, c'est joli la neige, c'est romantique. Ça fait penser à l'hiver. En même temps, la neige, ça ferait pas penser à l'été, c'est complètement débile ce que je suis en train de dire. Bonjour. Mais qu'êtes-vous? Mais que faites-vous? Vous savez que vous êtes sur la Minute Architecture, que je suis Arcalis, que nous allons construire le 11e bâtiment aujourd'hui? Ah bon, vous savez tout ça? Bah, on peut y aller alors. Ah bah tout à fait. Allons-y. Architecture. Bon, bah, bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Quant à moi, je vais très bien. Et nous nous retrouvons pour l'épisode 11. Je vais aller de ce côté. Car c'est ici que nous allons construire notre 11e bâtiment. Eh oui. Au passage, bonjour la caméra. Bonjour, comment vas-tu? Et ce bâtiment sera un château fort. Alors comme vous voyez, il y a des traces parce que j'avais déjà fait un essai juste avant. Mais ce n'est pas important. Donc ce bâtiment sera un château fort. Voici mes blocs. Ah, je les prépare maintenant, c'est trop puissant. Oh. Et ben on est parti, hein, écoutez. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 15. Encore, je vais peut-être le ragrandir un petit peu. Ça fait un peu petit. Est-ce que ça fait petit? Oui, ça fait petit. On va ragrandir. 6, 7, 8, 9, 10. Hop. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 6, 7. On s'en fout, hein, clairement. Du bloc près, c'est pas un truc ultra. Comme par exemple le bâtiment de l'épisode 3 ou l'épisode 6 où là tout était millimétré. Enfin, mètré plutôt, parce qu'on va au mètre près hein, dans Minecraft. Voilà, donc ça c'est la taille du machin. Maintenant on va faire les tours. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 1. Ça fait un peu grand ça. Quoique. Est-ce que ça fait vraiment un peu grand? Ouais, mais le seul problème, c'est que... Ouais. Ouais, je sens que je vais galérer, je sais, merci, ça va. Mais c'est pas grave, c'était un défi en plus. Même pas moi qui me suis dit, ouais, vas-y, je vais faire un château fort, c'est quelqu'un... Un jour, tu pourras faire un château fort. Mais oui, je pourrais faire un château fort. Je fais le château fort, je suis le château fort. Le château fort est mon ami. En fait, c'est pas vrai, mais... attendez. 1, 2, hop. Slash time day. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2. Voilà. Comme ça, normalement, ça devrait être à peu près... pas bon. Comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Soyons perfectionnistes, voyons. Ici, c'est bon. Ici, il va y avoir une tour. Non, on va pas faire là, la tour l'entrée. On va le faire. Donc ça, c'est la tour carrée. Toujours une tour carrée. Enfin, je crois. Mais en tout cas, j'avais envie de faire une tour carrée en plus. Voilà. Donc on fait la tour carrée. En mode tour carrée, bah ouais, complètement. Et s'il y a une autre tour. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors pourquoi? Je crois que... suis pas très habitué à faire des cercles dans Minecraft. Hein. Ça veut dire en plus je suis décalé. Je suis complètement décalé. C'est absolument monstrueux. Voilà. Donc pour la troisième tour du troisième coin, nous sommes bons. Et quant à la quatrième tour, on va faire une grosse. Donc on va effectivement faire 1, 2, 1. Voilà. Donc voilà, on va
passé toute notre stone brick. C'est à peu près bon. Ouais, donc on va monter des pilasses dans les coins. Les coins, par exemple, ici. Ici, enfin, etc. Donc, j'ai monté les pilasses et un petit peu le mur aussi. Non, 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 que les pilasses. Et ben, on se retrouve après. À tout de suite. Heureux! Donc, nous voici avec bah, nos pilasses et aussi un tour en cobble à l'intérieur des murs, enfin dans les murs tout simplement. Donc là, ce que je vais tracer, c'est la cour intérieure. À peu près l'emplacement. Ici, on est à 1, 2. Ici, on est à un truc bizarre. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3. Oui, parce que donc dans un château, il y aura la cour intérieure, forcément. Ça tombe sous le sens, c'est tout à fait normal. Donc ça, c'est pour la tour. Bon, elle est de coin. Ouais, elle est complètement de coin en fait. Bon, c'est pas grave. On va dire que on va prendre 4 blocs. Ouais. 4 blocs comme ceci. Hop. Bloc de bedrock qui peut dégager. Hop. Un truc carré, ça serait bien. Ça va être un mix hein. En fait je pense que faire un cloître dans un, j'ai eu un bug de son, faire un cloître dans un château fort, c'est complètement cheaté. Faire comme ça, ça me paraît bien. Ouais, juste une chose, c'est que l'entrée on va la faire de ce côté-là. Non, non, de ce côté-là, parce que la timelapse elle est par là. Donc on va faire l'entrée ici, à peu près, hein. Hop, 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 hop. Donc, la cour est raccourcie de ce côté-là. Voilà. Hop. Et oui, tout à fait. Et bon, donc je vais faire la même chose, je vais monter les murs, aussi bien intérieur que... non, pas à l'intérieur, je vais mettre le pilier à l'intérieur et je vais monter les murs sur l'extérieur, sur 5 blocs de haut, donc pour avoir quelque chose d'un peu plus conséquent. Donc je vous retrouve tout de suite après, salut. Tada! Du coup, ouais, j'ai dit que je faisais les piquets, j'ai pas fait les piquets, honte à moi. Mais c'est parce que ce sera un agencement un petit peu particulier pour l'intérieur, j'ai envie de faire des arches, et vraiment faire un cloître en fait. Au lieu de faire un donjon comme dans tout château normal, bah moi je mets des cloîtres dans mes châteaux d'abord. Non mais. Enfin bref. Aussi. Non, 3 étages. Enfin 3 blocs. As usual, hein, j'ai envie de dire. Ce qui signifie que normalement, les murs du château couvrent. Le soleil se couche. Les murs du château couvrent. 2 étages, si je dis pas de bêtises. Et bon, on va tester, tiens. Hop, stone. Il reste une de 3. En réalité, il va me falloir un niveau en plus. Donc c'est problématique. Donc eh bien nous allons arranger tout cela, encore une fois. C'est épisode un peu bordélique, j'ai l'impression, mais. Donc slash time day. Voilà. Et donc on va rajouter un étage à toute la muraille. Je n'ai pas fait ce mur-là pour des raisons timelapsistiques, vu qu'après on verrait plus rien en fait, je pense. Donc je rajoute un étage et bah tout de suite quoi. Voilà. Et nous revoilà donc, enfin me revoilà avec vous. Vous, il s'est passé à peine quelques secondes, mais il s'est passé peut-être plusieurs minutes. La caméra de toute façon a enregistré tout ça. J'ai rajouté donc un étage, enfin une rangée, ici, donc ici il y a bien 4 blocs, donc ici nous allons bien pouvoir faire notre fermeture. Et bah oui, tout à fait, donc je vais commencer aussi par faire l'extérieur du cloître, parce que ça va être un cloître. Alors je vérifie combien il y a de blocs. On va faire quelque chose comme ça. Ouais. Ou alors juste comme ça.
Ouais. Donc, il y aura... Hop, 1, 2, hop. Pilier. Hop, 1, 2, hop. Pilier, hop. 1, 2, hop, pare-feu. J'ai même pas compté, c'était vraiment pas voulu en plus. Ici par contre c'est plus court. Ici on va mettre un pilier. Non, on va mettre que 1 entre 2. Parce que ici c'est plus court. Et ici aussi du coup, fût. Qu'est-ce que ça donne si on fait 1, 2, 3, 4. Ça donne quelque chose comme ça. Et donc on va faire 3, 3. Ou 3, 4 et 3. Ah, ça c'est beau ça. Ça c'est très beau. Ça c'est ça que j'aime. J'aime. J'aime le paiement d'Espelette. Enfin bref. Donc voilà. Petite entrée. Peut-être prévoir des entrées, ouais. Ici et puis ici, tiens. Hop. Voilà. Ouais. On va tout monter ici. Au deuxième, enfin tout monter au deuxième étage et faire le sol du premier étage et on recommencera exactement donc la même chose au-dessus, puis après on s'attaquera au tour, puis aux petits détails tout simplement, petits détails genre les meurtrières et tout ça. Et il pleut donc Weathersen, Weathersen et Weathersen, tout à fait. Et donc on se retrouve dans quelques instants, à tout de suite. Et donc voilà, le premier étage, on va dire, le sol du premier étage du moins est terminé niveau construction. Et je viens de me rendre compte que je suis complètement con parce que j'ai mis des torches pour éclairer pour pas que ce soit trop sombre à la timelapse, mais je peux aussi faire un slash time day, hein. Ouais, mais là je comprends pas pourquoi j'y ai pas pensé. Mais tant qu'on y est, on va laisser les torches parce que c'est un autre steel. C'est steely. Ouais, je fais de l'aménagement dans l'épisode de construction maintenant. Ouais. C'est juste que ça me perturbait. Voilà. Que dire? Eh bien, on va faire le même, même. Le même. Ouais. Cet aménagement-là. Enfin, c'est pas un aménagement, mais le niveau du cloître. Par contre, ouais. Il se pose un problème, comme vous l'avez sans doute constaté. Ouais, faut que je fasse comme ça. Parce que j'aime pas avoir le double de stone brick. Ça va faire moche. Donc on va faire comme ça, voilà. Hop. Ou j'aurais pu mettre des barres en fer aussi. Bon, on verra ça à l'aménagement. C'est pas... un problème pour l'instant. Oui, le seul problème que j'ai pour l'instant, c'est que ça prend du temps, que l'épisode avance et qu'il va falloir se dépêcher. Que dire? Voilà. Donc, eh ben, on va passer à au deuxième étage, donc complètement. Puis le chemin de ronde et les tours aussi à monter encore d'un étage. Voire deux pour la plus grosse là-bas. Et ben oui, tout à fait. Donc bah vous verrez ça à la timelapse. Moi je vous dis à tout de suite quand c'est terminé. Et voilà, donc ça avance bah, assez correctement finalement. On va pas se plaindre non plus. Donc les tours sont faites en piliers. Le deuxième étage a été... Enfin le deuxième étage, ce sera pas un deuxième étage, ce sera un chemin de ronde, je dis. Et donc il a été fait et bon, l'intérieur, on s'occupera de ça plus tard. Il y a des endroits sombres là-bas, dis donc. Oui, donc maintenant il faut tracer comme ça. Le petit pourtour de la tour. Sans jeu de mots pourri, bien entendu. Ah, ici, j'ai un problème. J'ai le problème. 1, 2, 3. 1, 2, 1,
1, 2, c'est ça. Et ici, la même chose. Là, par contre, on va le faire en double stun rig parce qu'on n'a pas trop le choix. Ah, quoique si, en fait, on a le choix. On corrigera ça plus tard. Quoique, on corrigera peut-être même pas. Hein. Ce n'est pas encore ce qui est le plus gênant. Ici aussi. Hop. Voilà. Non, pas voilà du tout. Il me reste une tour. Et donc ensuite, c'est l'heure du toit. Et enfin de monter les murs des tours. Et du toit, oui. Donc eh ben, on va refaire à nouveau une ellipse. J'ai l'impression que je fais de plus en plus de choses en ellipse moi, mais. Donc une ellipse et on se retrouve à tout de suite. Et me revoilà pour certainement la dernière. Oula, j'ai appuyé sur F8. Voilà, ça va mieux. Pour certaines, donc la dernière fois où je parlerai pour aujourd'hui, je vais laisser place ensuite à la timelapse. Je voulais juste voilà, faire ici. Ah, ici, j'ai pas fait le sol. Je voulais juste faire en fait un toit en bois. Parce qu'il y a pas mal de châteaux finalement qui ont des toits en bois. Comme ça. Enfin, c'est des. Finalement, c'est des toits en ardoise plutôt, mais. Enfin. Un toit pointu quoi. Et donc dans Minecraft ça se caractérise par un toit en bois, n'est-ce pas? Donc je vais faire ça dans quelques instants. Ça va pas être la chose la plus aisée que j'ai fait dans la minute architecture. Je remets le jour. On va prendre donc du bois sombre. Hop. Et le bloc. Voilà, on va prendre les trois. On va faire un tour, un premier tour de bois sombre. Un petit lag, c'est assez chiant. Je lag sur mon propre serveur. C'est terrible. Tellement noir sous dans le château qu'il y a des bruits de grotte. C'est terrible. Bon, ça j'ai déjà dit que c'était terrible, je sais, mais. Donc voilà comment faire un toit. Hein. Chaque fois qu'on se décale, on monte d'une demi-dalle. Et bientôt il y aura des escaliers en coin. Donc du coup là les escaliers en toit, le toit pourra être beaucoup plus pentu. Ce qui est pratique pour un château parce que c'est des toits pointus et donc pentus. Mais oui, mais tout à fait, mais tout à fait. Voilà, ça monte assez vite au final. Hop, 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 hop. Finit toujours sur un truc carré parce que plus on simplifie un cercle plus on a un carré. Enfin je me suis compris parce que en fait c'est pas tellement vrai, mais quand on raccourcit le diamètre d'un cercle comme ça avec des pixels, on finit par avoir un carré. C'est toute la théorie sur Minecraft, hein, faut pas s'inquiéter. Donc le voilà, le carré. Je vais peut-être même faire comme ça pour le haut. Ça peut être pas mal. Hop. Oui, hop, hop. Et tada. Et bien donc, nous allons nous laisser. Et je vais vous donc oula, je suis 650 mètres au-dessus de la caméra. Je vous dis bah, à la prochaine fois pour l'épisode d'aménagement, parce que pour l'instant c'est bien moche, donc on va devoir aménager, ça paraît logique. Il restera des meurtrières à faire, aménager le chemin de rond, aussi un peu l'intérieur, parce que bon l'intérieur c'est le principe d'aménagement, d'aménager l'intérieur, oui, d'aménager. Et bah oui, voilà.
Donc, eh bien, c'était Arcalis pour la Minute Architecture et je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine fois.